Oh, comment ça va aujourd'hui? Pas bien. Comment ça, ça va pas bien? Tu as arrêté de faire des blagues, toi. Bon, allez, on va essayer d'apprendre à nager le crawl et on essaie de s'appliquer, mademoiselle Diane. Mais j'ai d'accord? T'as déjà appris? Bah, c'est parfait. Tu vas nous montrer comment t'as appris en les trois petites étapes. Tu te rappelles comment on fait la flèche, Diane? Oui. Ah, ok. Donc, quand on rentre pour rentrer dans l'eau, on rentre la tête cachée sous les bras, on met ses deux mains au-dessus de la tête et on a la tête bien cachée. On fait des bulles avec la bouche, les yeux en bas. Et on glisse en haut de l'eau le plus vite possible pour entrer jusque paf jusqu'au ventre de Christian. Hey. Tu peux y aller? T'es prête? Allez, vas-y, go, flèche. Et hey, tape des pieds. Paf. Super cool. Allez, repars, tu fais pareil. On rentre la tête, on pousse et on rêve. Garde la tête en bas, Diano. Et calme-toi. Quand t'arrives au mur là, tu prends une respiration. Et tu repars en poussant sur le mur après. Allez, rentre la tête, place tes bras au-dessus et pousse. Parfait, pivote. Ta-t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 a. Impeccable. Ça va? Oui. Allez, on repart la même chose, une fine flèche. Rentre la tête, place les bras, tape les pieds. Allez, plus vite les pieds. Kiki-kiki-kiki-kiki. Ok. Stop. C'est bon, je t'ai bien eu. Alors, les kicks, mademoiselle Jane, les coups de pied, hein? Non, tranquille. Ok, tu gardes les jambes, ne plie pas tes genoux. Essaye de garder les jambes droites, les pieds en pointe. Et on fait des petits splashies en haut de l'eau, d'accord? Pas des grands splashes comme si tu faisais du vélo, hein? Fais des petits kicks avec plein de mousse tout en haut de l'eau. Vas-y, tape. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. High five. C'est ça, t'as tout compris. Ok? Donc maintenant, je vais te donner une planche. Ah, attends, 2 secondes. On va commencer à bouger les bras. Alors, tiens, on va prendre cette petite planche. Celle-là, elle coule en plus. Si tu appuies dessus, qu'est-ce qui se passe? Elle va descendre sous l'eau. Donc, je veux déjà que la planche, Diane, oui. On la laisse en haut de l'eau. Faut pas que la planche descende. Donc, tes bras, quand tu tiens la planche, déjà, tu la pousses. Et ensuite, tu vas la faire glisser en haut de l'eau. Tu t'appuies pas pour que la planche, elle tombe sous l'eau, ok? Oui. Tiens, prends-la dans les mains. Donc, maintenant, on va travailler avec les bras. Tu fais ta flèche, tu fais tes kicks. Là, tu es en position, la planche en haut de l'eau, et tu vas pousser sous l'eau avec un bras. Pousse sous l'eau avec un bras, sans la puissance de l'eau dans ta main, là. Tu pousses jusqu'à la fin. Tu ramènes le bras, et tu tiens ta planche. Tac, ça fait un bras. Tu fais un deuxième bras, tu fais des bulles en même temps. Deuxième bras, je fais des bulles, je rattrape. Et au troisième bras, je tourne la tête en même temps que je pousse. Très bien. Je pousse, je respire. Je rentre la tête avant que le bras revienne. Et je refais des bulles. Paf. Parfait. Et ça fait 3. Donc, je répète. 1 bras des bulles. 2 bras des bulles. 3, je tourne la tête sur le côté, respire. Reviens en des bulles. Allez, quand on tourne la tête, on a un œil en dehors de l'eau, un œil dans l'eau. On ouvre la bouche d'un côté, on respire. Et après, on refait des bulles. Ça marche, Diano? Oui. Facile, hein? Bon. Et attends que je t'appelle. Donc, 1 bras, 2 bras, tourne au numéro 3, un œil dans l'eau, recommence. Allez, go. Top. La flèche, 1 bras. 2 bras des bulles, tourne sur le côté, respire, reviens. 1 bras des bulles, 2 bras des bulles, tourne sur le côté, respire et reviens. Très bien. Bon, c'est pas mal. Hey, fais gaffe quand tu tournes la tête de pas tourner ton corps trop, ok? Regarde, habitue-toi à faire des kicks. Tiens, fais voir tes kicks. Tape des kicks. Ok. Fais des bulles en même temps. Allez, tourne la tête sur le côté et garde les kicks. Ouais, vas-y, fais des bulles. Ok, tu tournes la tête pour respirer, s'il te plaît, maintenant. Tourne la tête pour respirer. Voilà, et tu gardes les kicks. Voilà, tourne la tête de l'autre côté. Et garde les kicks. Encore, tourne la tête de l'autre côté. Et garde les kicks. Tourne la tête de l'autre côté. Et garde les kicks. C'est bon, t'as tout compris. Donc là, c'était cool. T'as tourné la tête, mais t'as pas trop tourné ton corps. Qu'est-ce qui se passe si tu tournes trop ton corps? Tu vas faire du swing. Et tu pars de l'autre côté. Et là, c'est pas beau. Ok? Allez, on essaie de rester sans trop se retourner. Un bras, deux bras, tourne au numéro 3. Je te tiens les jambes et après je te lâche. Vas-y. Et un bras, deux bras, tourne au numéro 3 et rattrape la planche. Un bras des bulles, deux bras des bulles, tourne au numéro 3, rattrape la planche. Go, go, go. Très bien, Diano. Hey, c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Qu'est-ce que t'en penses? C'était bien ou pas? Du crawl. Bah ouais, c'est du crawl. Hey, par contre, quand tu tournes ta tête, fais gaffe, tout à l'heure, j'ai vu que t'as fait l'oreiller. Ton bras n'est pas un oreiller, mademoiselle Diano. Quand on tourne sa tête, on tourne la tête dans le trou, là, dans l'eau,
Mais pas posé sur son bras comme un oreiller, ça c'est une bêtise. Qu'est-ce qui se passe, t'appuies ta tête là? Qu'est-ce qui fait ton bras? Mon bras il descend dans l'eau. Et voilà, et ça c'est une erreur, n'est-ce pas Diano? Alors calme-toi, fais de l'autre côté. Mais elle va se calmer, ça là c'est pas possible. Tourne la tête dans le trou, là. Descends la tête, tourne sur le côté maintenant. Voilà, et le bras il va derrière, il va pas dessous. Et j'étais bien clair, Diano. Oui. Bon allez, mets tes lunettes et tu vas me remontrer ça sans te tromper sur ton bras. Et go! Un bras des bulles. Deux bras des bulles. Trois, je tourne la tête, pas sur le bras. Très bien. Allez, tourne pas trop le corps. Un. Deux. Trois, je respire et je reviens. Ouais. Et tourne pas pendant une heure non plus, ok? Tu dois le tourner de la tête relativement rapidement. Et là, t'as trop tourné la tête. Alors regarde, je te donne la vitesse. Regarde. Reste assis, détends-toi. Brrr, tourne sur le côté, comme si on ouvrait. Comme si on ouvrait une bouteille et on revient. Tu vois, c'est tout. Il y a un tout petit mouvement de tête. C'est côté, reviens. Regarde. 1, 2, tourne, reviens. Hop. 1, 2, tourne, reviens. 1, 2, back. 1, 2, back. Ok ? Garde le menton vers la poitrine, tu seras mieux placé. Allez, recommence. Essaye de respirer un tout petit peu plus. Tourne, je reviens. Plutôt que je tourne, je reste pendant trop longtemps. Ok ? Allez, vas-y. Tape. 1 et 2. Tourne, reviens. Très bien, Diano. Et 1 et 2. Tourne, reviens. Et 1 et 2. Pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal là, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, fais gaffe à pas ouvrir tes jambes par contre. Hein. Quand tu tournes la tête. Quand tu tournes la tête, n'ouvre pas tes jambes. Bon, alors vu que tu y arrives, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va avoir besoin de la planche pour tout le temps? Bah non, tiens, regarde. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire même chose, on va faire du crawl. Rattraper. C'est quoi? Sans la planche. Donc en gros, t'as une planche magique. Regarde, elle devient invisible. Hop, j'enlève ma main, elle est là, la planche. T'es, je la vois aller. Parfait. Et là, tu fais avec la planche invisible. Pousse un bras dans l'eau, rattrape la planche invisible. Et hop là, change. Et on rattrape. Et tourne la tête, respire. Et on rattrape. Donc en gros, le crawl rattrapé, c'est la même chose en rattrapant tes mains devant. Fais pas tomber tes mains dans l'eau. Ok? Le but du jeu, c'est de glisser en haut de l'eau. C'est pas de faire des mouvements pour faire des mouvements. Hein? On fait des mouvements pour glisser devant. Et maintenant, sans la planche, tu me montres en tapant le dessus de tes mains. Allez, vas-y. Les mains bien en haut de l'eau. Un bras, je touche la main. Deux bras, je touche la main. Respire et touche la main. Ça, c'est pas mal. Un bras, deux bras. Tourne sur le côté, tape la main. Et il faut souffler, là, qu'est-ce que t'as fait? T'as retenu ta respiration? Non. Nous ne retenons pas notre respiration. Ah, sous l'eau, je veux voir des brrr, bulles. Hein. On est bien d'accord? Bon. On recommence. C'est parti. Je te tiens les jambes, tu tapes les mains, tu fais bien tes bulles. Eh bien, on ne peut plus faire des bulles vu qu'on n'a plus d'air. C'est pour ça qu'on fait une grande inspiration. Et après, on fait jusqu'à ce qu'on respire une deuxième fois. C'est pour ça que tu dois souffler jusqu'au troisième mouvement, ok? Allez, go. Montre-moi. Allez, un bras des bulles. Très bien. Deux bras des bulles. Tourne la tête, respire et tape la main. Ben voilà, t'as compris. Un des bulles. Deux des bulles. Tourne la tête, respire et tape la main. Un des bulles. Deux des bulles. Tourne la tête, respire. Dis donc et tape la main. Tu t'étais trompé de sens là. Attention, c'est on respire du côté où on tourne la main. Bon, pas mal du tout, Diano là. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va essayer de le faire sans toucher les mains. Ça roule? Et le vrai crawl, on va le faire comme ça. Là, tu faisais du crawl rattrapé. En tapant le dessus de tes mains, tourner la tête, taper la main. Et là, regarde ce qu'on va faire. On va écarter les mains. Ouish, largeur des épaules. Donc là, tu as les mains l'une à côté de l'autre. Et on va glisser en haut de l'eau sans toucher la main. Et là, je touche l'eau. Et je glisse en haut de l'eau sans toucher la main. Et l'autre main, elle va pousser. Donc je pousse avec une main, je glisse avec l'autre main. Et j'arrive sur le côté. Et je glisse en haut et je pousse avec l'autre main. Et je glisse en haut et je pousse avec l'autre main. On ne va pas faire les mains qui tombent dans l'eau. Cherche à glisser devant. Et au lieu d'aller les toucher, on les met dedans, ok? Et 1, et 2, et 3, je respire. Et 1, et 2, et 3, je respire, ok? Donc t'essayes en écartant les bras, mademoiselle. Et surtout avec les coudes, maintenant bien relâché, bien haut. Je pousse avec un bras, je monte le coude. Allez, monte le coude, monte le coude, monte le coude, monte. Voilà, détends la main et jette. Pousse sous l'eau. Monte le coude, monte le coude. Arrête d'être dur avec les bras. Monte le coude, détends le bras et glisse devant. Tourne au numéro 3, respire. Monte le coude, monte le coude. Qu'est-ce que tu fais avec les coudes en bas? Et voilà, et jette. Ok, Diano, attention.
les coudes, arrête de les verrouiller. Essaie d'être souple là, regarde. Coude en haut, monte le coude, garde la main détendue, jette le bras devant, ok? Hey, pense à laisser tes coudes un petit peu plus souples, ok? Tu me montres? Allez, c'est parti. Crawl, sans toucher les mains, les coudes relâchés. Go! Oh là là. Oh là là. C'est pas mal devant, par contre, attention les coudes là, Diano. Qu'est-ce que tu nous fais là? Oh là là. Oh là là, ça tourne dans tous les sens. Tu tournes dans tous les sens comme une patate là. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu nous fais? Hey, demi-tour. On va recommencer ça, hein. Hey, ton coude là. T'as forcé comme un mulet. Doucement les bras, détends. Pousse, détends le coude, monte le coude. Garde la main vers le bas. Détends la main, ça c'est cool, la main molle et le coude en haut. Comme ça je peux voir ce qu'il y a marqué sous ton bras. Tiens, qu'est-ce qu'il y a marqué sous le bras? Ah bah y'a rien de marqué. On recommence. Tu pousses dans l'eau, tu me montres ce qu'il y a marqué sous le bras. Eh regarde Christian. Et hop, tu jettes le bras devant. Pousse, montre à celui qui est derrière ce qu'il y a sous le bras et jette la main. Ça roule? Allez, essaie de le faire comme ça. Détends-toi, c'est fastoche. Et go. Et un. Non. Dites donc, j'ai pas vu ce qu'il y avait marqué sous le bras, hein. Allez, fais. Un. Oh là 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 là. Deux. Oh là 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 là. Les bras tendus de ouf. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bon, ok. Alors là, on a un problème. Tu nous fais les bras durs comme si c'était des bâtons et tu oublies de marquer dessous. Alors ok, t'écartes les bras, mais par contre, les bras, ils sont durs là. On ne nage pas en étant dur. Essaie de te détendre. Ok, Diane, je te montre un truc. On va faire un exercice. Assieds-toi. Arrête de gigoter dans 1500 sens. Regarde. Tu pousses sous l'eau avec un bras et avec ta main, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas garder la main près de ton corps. Il faut que ton doigt il reste collé à ton corps et il revient, il passe sous le bras. Tu touches sous le bras avec tes doigts. Ouais, ça fait des guillis. Et tu jettes la main devant. Donc on va pousser, garder la main au niveau des jambes, glisser, revenir devant. Pareil de l'autre côté. Pousser, la main qui glisse le long du corps, qui touche, qui passe par la tête et qui jette devant. Ok? On va te forcer à garder les mains près du corps maintenant. Au lieu de les mettre dans le ciel. Ça va te faire plier le coude, ça. Vas-y, essaye. Montre-moi. Un bras. Vas-y, pousse. Un bras jusqu'au bout. Sous l'eau et je reviens. Deux bras. Diane, arrête de faire n'importe quoi. Garde les mains en haut de l'eau. Là, t'es en train de faire n'importe quoi. Je pousse sous l'eau avec un bras. Et je ramène la main le long du corps. Je pousse sous l'eau avec l'autre bras. Et je glisse. Hein? J'ai pas pris ma respiration. C'est pas grave ça. Prends ta respiration, on recommence. Je peux plus prendre de bulles. Je peux plus faire de bulles. C'est pour ça que tu vas prendre une respiration avant d'y aller. Vas-y, go. Et top. Un bras. Pousse. Glisse la main le long du corps. Très bien. Deux bras. Pousse. Glisse la main le long du corps. Très bien. Tourne au numéro 3. Respire. Glisse la main le long du corps. Voilà. Pousse. Je glisse la main le long du corps. Pousse. Je glisse la main le long du corps. Ah. Je tourne la tête, je pousse et je glisse la main le long du corps. C'est pas. Eh hey. Ben voilà, t'as compris. Eh hey, Diano, impeccable, tu essaies tout seul? Regarde. 1, je glisse la main le long du corps. 2, je glisse la main le long du corps. 3, je respire et je reviens la main le long du corps. Garde les mains près de toi au lieu de les mettre en l'air, ok? Allez, je te regarde, vas-y. La puissance de Diane. C'est parti, il saute. Un bras. Voilà, c'est cool ça. Voilà les coudes. Oula, ne tourne pas trop quand même, Diane. Hein. Tourne la tête, mais ne tourne pas trop. Regarde, qu'est-ce qu'elles font les jambes là? Elles ont complètement tourné. Reste le corps. Tourne moins ton corps. Tourne la tête seulement. Allez, tourne la tête là-bas. Tourne la tête là-bas. Voilà, tape des pieds en même temps. Voilà, tourne la tête. Garde la tête tournée. De l'autre côté, s'il te plaît. Tourne la tête de l'autre côté. Garde la tête. Voilà, tu vois les jambes là? Elles s'écartent pas. Et tu gardes la tête tournée pour respirer rapidement, ok? Eh hey, c'est très bien au niveau des bras, par contre tu tournes trop la tête. Attention. Allez, on y va. C'est quoi le coup? Quand tu nageras parfaitement. Est-ce que tu nages parfaitement? Dans une heure? Peut-être dans 5 semaines. Hein. Bah, allez, on a bientôt fini là. Accroche-toi. Go. Et c'est parti. Et top. Allez, les coudes. Et 1. Je ramène les bras le long du corps, Diano. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça roule. Encore. Diane, garde bien les mains le long du corps. Je sais que tu as l'habitude de mettre les mains en l'air.
Je sais que t'as l'habitude de mettre les mains en l'air, mais là maintenant tu vas te forcer à revenir avec les bras le long du corps, ok? Et tu tournes la tête, hop hop, et tu reviens sans tourner les jambes. On recommence, c'était pas mal. Allez go. Tu es prêt, Zgan, hein? Là ça commence à vraiment être chouette. Allez go. Hop. Et un. Voilà. Et deux. Les coudes en haut. Tourne la tête, respire. Allez, un. Deux. Tourne la tête, respire. Un. Ok, fais gaffe à tes jambes quand tu tournes la tête. Tu tournes trop les jambes. Hein? Refais tes jambes, juste les kicks. Fais les kicks derrière. Fais les kicks. Fais les kicks. Fais les bulles. Fais les bulles. Fais les bulles. Ok. Tourne la tête, garde les kicks. Lève pas la tête, ma grande. Allez, tourne la tête pour respirer. Tourne. Respire sur le côté et garde les kicks. Très bien, refais les bulles. Et garde les kicks. Impeccable. Et ben voilà, tu fais ça en même temps les bras le long du corps. Ok, je veux que tes kicks ils s'arrêtent pas et qu'ils fassent de la mousse même quand tu tournes la tête. Allez, montre-moi ça. Tu es bon là. Tac. Pousse. Allez, 1, 2, tourne, respire. Kick, 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 kick. 1, 2, tourne, respire. Kick, 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 kick. Ah bah ça commence à tracer là, dis donc. T'as capté, tu fais de plus en plus vite. Ah, t'as vu que ça allait de plus en plus vite maintenant? Non. Bon, les coudes. Tu les as mis en haut? Oui. Voilà, ça c'est cool. Et pour la prochaine fois, on va essayer de garder cette façon de faire, ok? Pour te détendre un peu les bras, pour garder les bras qui sont plus près du corps. Comme ça, tu vas nager plus dans l'axe, ok? Et on ne tourne pas trop la tête quand on respire. Juste un peu, en même temps on fait les kicks. Ça roule? Bon, Diano qui est arrivé. Oh ben, on a fini le cours. Ça a été? Oui. Tiens, high five. Hey! Pas aussi fort, ça fait mal. À la prochaine fois, Diane. Ciao!